Bonjour à tous et merci à vous de nous retrouver pour Demain je m'y mets, votre magazine santé, sport et puis un petit peu humour aussi. Salut Nico. Absolument. Bonjour Géraldine, bonjour à tous. Aujourd'hui, c'est cool parce qu'on va pouvoir se droguer. Oui. Non, on va parler dopage naturel, évidemment. Puis en troisième mi-temps, on va retrouver tout le reste de l'équipe qui est là-bas derrière moi. Ça va ? Ouais ! Ils sont là, on va parler nouvelles tendances, nouveaux sports avec Valérie, Laurie, Kitri, cuisine avec Kitri. Et pour nous accompagner, notre invité est Arnaud de sa mère. J'y vais. Allez, et moi, je vais voir le reste de l'équipe. Salut les amis. Salut Géraldine. Ça va bien ? Et toi ? Ouais, super. Bonjour Kitri. Bonjour. Bon alors, qu'est-ce qu'on fait aujourd'hui ? On reste en mode détox ou on se nourrit un peu ? Ah non, aujourd'hui on se nourrit gourmand. Je vous propose qu'on fasse des cookies, chocolat et maca. Alors, les filles qui aiment le maca, tu sais. Maca. Ouais, maca. Pourquoi maca ? Parce que je crois qu'on va parler de dopage au naturel aujourd'hui. Et le maca, c'est un tubercule qui vient du Pérou, qui pousse dans les montagnes du Pérou. C'est-à-dire que c'est un peu une poudre péruvienne, quoi. On avait non, dit dopage naturel. Pas exactement, c'est pas de la poudre de tubercule. Bonsoir. mais à chaque fois, je lui fais peur. Arnaud de sa mère. Bonsoir. Voilà, Arnaud, ben voilà la petite équipe. Donc, on parlait de maca parce qu'on va parler de dopage naturel. Oui. Donc, on s'est dit, ça va vous aimez ça ? Goûtez, ah c'est oui, très le bon. Dopage, j'adore c'est ça, ça c'est moi, une petite poudre péruvienne. C'est pas très bon comme ça. C'est délicieux. C'est pas bon. Non, c'est pas bon. C'est un peu dopant. Ça a des vertus. C'est bizarre. C'est un dopant qui a la fois intellectuel et physique. Moi, j'ai décidé de tout aimer, de toute façon. De toute façon, quand on fait du vélo, on touche au dopage. On va mettre. Un petit peu. Oui, évidemment. Forcément. Forcément, c'est bien connu. Laissez parler Kitri, donc cookies. On va mettre la poudre de maca dans la pâte des cookies. Moi, le goût, je le trouve pas terrible, donc l'idée, ça va être. Ah, c'est dégueulasse. Franchement, c'est pas génial. C'est bien, ça démarre. Mange pas bon. Non, franchement, c'est pas génial. Mais vous allez voir, avec les cookies, ça va être super bon. Enfin, j'espère. Ça nous donne un petit coup de fouet. Hyper gourmand. Non, mais ça se sent pas au goût, c'est juste du tonus. Ça se sent pas du tout au goût. D'accord. Sauf si vous le mangez comme ça, mais Nicolas. Non, ah ben non, comme ça. Un ancien dopant, en fait, en 2004, il était sur le listing des dopants et qu'on donne. On donne 3-4 cafés une demi-heure avant de faire du sport et ça, c'est très intéressant. Ça réduit votre fatigue. Donc, café dopant. Et moi, je voudrais goûter la boisson dont vous nous avez parlé. Et Kitri, vous arrivez. Oui, mais Kitri, t'as eu 20 minutes pour préparer. Christophe était un peu long à apprécier. Ah voilà, il a apprécié le citron. J'ai donné tout mon corps pour... Incroyable. Et ça, c'est avant ou après le sport ? Arnaud, méfiez-vous. Ça peut être avant. C'est une belle couleur. Ça peut être pendant, si c'est plus d'une heure et demie de sport. Et ça peut être après. Et après, on conseille, c'est une bonne question, Laurie, on peut conseiller après de la whey, par exemple, des protéines de petit lait en récupération, ou des fromages blancs, ou pourquoi pas des petits morceaux vous de poulet, vous Kitri, vous aviez deux petits aliments, merci. Le ginseng. Oui, le ginseng que vous devez connaître, oui. Qui est une racine asiatique. C'est tendu, hein. Qu'on utilise en poudre aussi. Alors moi, j'aime bien l'utiliser un peu comme la maca, mais dans ça la réveille. Pâtisserie. C'est un bon dopant naturel aussi, tant au niveau intellectuel que physique. Complètement. C'est bon, ouais. Bah moi j'aime bien. C'est Arnaud, faut tout voir. C'est goûtu, hein, ça dure tout. Ah, il a tout eu. Et j'aime bien aussi les baies de goji. Tu as goûté comme ça, vous allez dire si c'est bien fait. Qu'on utilise comme des raisins. Des petits, ouais, les baies goji, des petits trucs rouges qu'on trouve partout. Effectivement, ça a eu dans les magasins bio, les choses comme ça. Ça a été fait dans un cake, c'est très bon. Ou dans des cookies aussi d'ailleurs, à la place des pépites de chocolat ou à la place des raisins secs. Dernier c'est un dopant, c'est aussi un bon dopant. Alors pas immédiat, mais c'est bourré de vitamines. Docteur, m'arrête si je me trompe. Non, il y a plein d'antioxydants, voilà, mais il y a plein d'antioxydants dans plein d'autres fruits. Donc allez voir un médecin nutritionniste qui va vous doper, mais bien naturellement. Merci beaucoup. Faut tout boire. Oui. Merci beaucoup, docteur Dalu. On rappelle votre dernier ouvrage, Les 100 idées reçues qui vous empêchent d'aller bien. Conseils pour changer nos comportements alimentaires et plus généralement notre hygiène de vie. D'ailleurs, un dernier conseil, je note comme ça, quand on est fatigué, il vaut mieux faire du sport que de se reposer. Ça, médite. Voilà, ou quand t'as mal au dos, il vaut mieux bouger que ne rien faire. Bref, je synthétise, mais l'essentiel, c'est dans votre livre chez Le Duc Édition. Merci beaucoup, docteur. Je pense qu'avec ça, il va y avoir une bonne petite pâtée parce que maintenant, Arnaud, c'est l'interview ping-pong. Ah mais bon, oui, non, mais il fallait pas lui faire boire ça. Si, tu vas en prendre ça tout de suite. On va aller goûter les cookies de Oui, parce qu'il y a une odeur depuis tout à l'heure, là, ça donne envie quand même. On rappelle à Kitri. Je vous attends, hein. Les invités de part et d'autre de Kitri qui vous a fait des cookies dopants. Et aphrodisiaque. N'en perds pas une miette. Bon, allez-y, goûtez. Allez, on y va. Et alors. On rappelle pendant ce temps votre actu, Arnaud, sa mère, au Folies Bergère. Au Folies Bergère, du jeudi au samedi, hein, 20h Jeudi au samedi, 20h. Pardon, je touche la main. Il est très énervé parce qu'il joue tout à l'heure, là. Vite, non, parce que je suis sur le coussin gonflable de Christophe et que je suis en recherche d'équilibre. Et vous êtes ce soir sur scène. Ce soir sur scène, 20h,
Première partie, 20h30, je rentre en scène. 28 janvier, 6 février, du jeudi au samedi, ça va être formidable. Et vous allez tourner un peu après encore le spectacle? Oui, je tourne dans toute la France jusqu'à début mai. Et Philippe viendrait nous parler aussi de ce projet d'écriture-là. De film. Avec plaisir. Vous allez nous faire aimer le patinage. Pour l'instant, on a les 30 premières pages. Là, ça ah oui, c'est pas mal, c'est le début. Encore 500. Encore 500. Non, 200. Touché au but. Bon, bah, Kitri, ça a l'air très bon. Merci les filles, merci Valérie, merci Laurie. Et bravo pour cette merci victoire. Merci bien, vous m'avez beaucoup encouragé, c'est grâce à vous. Ouais. Christophe, merci beaucoup. Une mise au cheval. Hein. Merci d'avoir été avec nous, on se quitte là-dessus, et puis on se retrouve la semaine prochaine, et ça sera ton défi. Ah. La semaine prochaine, attends, Laurie, même endroit, même heure, même équipe, 18h. Je reviens. La semaine prochaine, je reviens. Philippe n'est pas venu à la vanne. Paul Dance. Mais tu sais qu'on te gâte. Je veux bien faire la barre. Oh là 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 là. Ciao, ciao. Bonne soirée.